casser les couilles, toi. On va pas me casser les couilles, toi. Comment? Tu me casses les couilles, d'accord? Tu vois, regarde, tu vois, je le fais. Oh, tu vois, il y a tout ce que je fais. Tu vois, mais c'est pas grave, je me ferai engueuler par la prof. Mais c'est pas grave, je dirais que c'est de la faute de ma mère. Parce que tu vois, elle me fait chier. Et tu vois, je dirais ça devant toute la classe. Tu vois? Et puis tu crois que tu vois? Et puis tu crois que c'est bien ça de comme dire ça? Comme ça, la prof, elle t'appellera, puis t'auras la honte. Eh ben, ça me dérange pas de monter, hein. T'auras la honte. Et puis, ce serait ça à chaque cours, comme ça, encore mieux. T'es fier. J'arriverai les mains dans les poches devant mon collège. Eh ben c'est bien. Et je ferai ça à chaque cours. Tu sais pourquoi tu fais ça? T'es malheureux là. Arrête, tu pleures. Quoi? Merde. Puis t'es fier? Merde. Ah ben c'est super. C'est comme ça que tu parles à maman? Ouais, c'est comme ça que je parle à papa. C'est comme ça que je parle à ma mère. C'est comme ça que je parle à tout le monde. Florian et mon mari se sont battus. Ouais. Parce que mon mari avait laissé la télé allumée, c'était un match de foot. Et pour embêter son papa, Florian s'est levé, a été éteindre la télé, mon mari s'est levé aussi. Et puis bon, bah, ils sont empoignés, quoi. C'était violent? Oui, moi, c'est violent. Ça me fait mal et ça me coupe les pattes, quoi, comme on dit. Pourquoi tu te bats avec ton père? C'est bon. Ça fait du mal à tout le monde, t'en es conscient de ça? Ça te gêne pas? Non. De faire du mal à papa, de... Non. Je te dérange, là? Oui. Surtout que tu m'as dit que je pouvais regarder la télé tranquille. Non, non. Pas tranquille, parce que tu vois, t'es là. J'ai le droit d'être là, même si je t'embête. Mais tu me parles pas. Tu peux être là, mais tu me parles pas. Je dérange dans ma propre maison, voilà. Entre la mère et le fils, l'ambiance est toujours aussi électrique. Il faut dire que Sylvie n'a pas renoncé à ses obsessions. Leur approche pour te mettre à tête voir, hein. Quoi? Je te disais que leur approche... Bah, on va éteindre la télé. Je suis indisponible. Florian décide de se mettre au travail, mais pour provoquer sa mère, il n'éteint pas la télé. Ça demande un minimum d'attention, quand même. Non. On ne peut pas être attentif à la télé et sur la feuille en même temps. Non. C'est magique. Casse les couilles, toi. On va pas me casser les couilles, toi. Comment? Tu me casses les couilles, d'accord? Tu vois, regarde, tu vois, je le fais. Oh, tu vois, il y a tout ce que je fais. Tu vois, mais c'est pas grave, je me ferai engueuler par la prof. Mais c'est pas grave, je dirais que c'est de la faute de ma mère. Parce que, tu vois, elle me fait chier. Et tu vois, je dirais ça devant toute la classe, tu vois? Et puis tu crois que... Tu vois? Et puis tu crois que c'est bien ça comme de dire ça? Comme ça, la prof, elle t'appellera, puis t'auras la honte! Eh ben, ça me dérange pas de monter, hein. T'auras la honte! Et puis je serai ça à chaque cours, comme ça, encore mieux. T'es fier? J'arriverai les mains dans les poches devant mon collège. Eh ben, c'est bien! Et je serai ça à chaque cours! Tu sais pourquoi tu fais ça? T'es malheureux, là. Arrête, tu pleures. Quoi? Merde! Puis t'es fier? Merde! Ah ben, c'est super! C'est comme ça que tu parles à maman? Ouais, c'est comme ça que je parle à papa, c'est comme ça que je parle à ma mère, c'est comme ça que je parle à tout le monde! Non, surtout mais... quand vous me faites chier. Je suis désolée, quand on fait les devoirs... Et ben maintenant t'as tout gagné, je fais plus rien! Je te demande un minimum d'attention pendant une heure! Et ben c'est bien. Voilà. Pour se venger, Florian s'empare des papiers de sa mère et file à l'étage. Donne-moi ma feuille. C'est chiant, hein. Je te demandais pas grand chose, trois quarts d'heure à te mettre à tes devoirs. Moi, je travaille avec la télé, après, c'est tout si on travaille pas. En allemand, t'as beaucoup de difficultés à l'écrit. Non. À l'oral, ça va tout seul, à l'écrit, t'as du mal. Donne-moi ma feuille. Conjugaison, j'ai du mal, hein. Mais bon, c'est vrai, vu que tu regardes jamais vos cahiers, vu que tu comprends rien. Oh, tu prends. Tu comprends rien. Je sais plus quoi faire, je sais plus. Le lycée, bah oui, le lycée. Ce qu'on m'a déjà dit, vous devriez le laisser faire. Lorsque le père de Florian rentre après sa journée de travail, l'adolescent et sa mère ne se parlent plus. J'ai éteint la télé, donc... Pas content. Ah bah non, Florian n'était pas content, il m'a piqué sa crise, enfin... Il m'a pris ma... S'il te plaît, je parle, t'arrêtes de me couper. Il m'a pris ma feuille. Il est monté avec, il me l'a rebalancé par ton trou, là, tu sais. C'est un provocateur.
Puis cherche. Cherche les histoires. Faut quand même faire comprendre que c'est pas lui qui doit décider, que c'est nous qui devons décider. Donc, s'il est pas content, c'est pareil. J'aimerais bien, bien être au moins un soir être tranquille, mais alors il n'y a pas un soir que c'est pour être tranquille. Oui, bien sûr. Et pour le bien sûr. Ah oui, bien sûr. Bon. Il fuit un peu tout ça, votre mari? Bah oui, c'est une manière. Vous savez, il entend pas parler quand il rentre. C'est tellement simple de prendre la fuite. C'est une certaine manière. Je dis pas que c'est continuellement, mais c'est simple d'aller s'aérer dehors ou dans le jardin, faire des travaux extérieurs. Que de se prendre le chou ici, c'est sûr que c'est quand même plus intéressant. L'ignorance, c'est la meilleure des solutions. J'ai appris à faire abstraction de tout, comme ça je suis tranquille. C'est la meilleure défense, l'ignorance. Tu me fais rire quand tu dis ça. On voit bien, t'es pas là. T'ignores. Ou qui fait passer de voix, on s'en fout. T'ignores. On a mis en place quelque chose, tu veux pas le comprendre, donc c'est bien. Eh ben il partira. Ah bah c'est bien, tant mieux. Alors maintenant tu t'es. Et puis c'est tout comme ça au moins. Le problème sera réglé. Les querelles incessantes avec Florian sont sur le point de faire exploser la famille. Sylvie n'en peut plus. Malmenée par son fils, incomprise par son mari, elle fuit l'atmosphère pesante de la maison. Je me sens rejetée. Je me sens rejetée. On a beau dire ignorer son fils. Comment voulez-vous qu'une maman ignore son fils? C'est pas possible. Je veux dire... c'est Florian, je l'ai vu, je l'ai mis au monde, je l'ai eu dans mon ventre, je l'ai élevé. Peut-être pas parfaitement, mais bon, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Puis voilà, il a 14 ans et voilà ce que j'en... Voilà. De son côté, son mari se réfugie dans le travail. À la maison, avec les conflits et tout, les cris, les hurlements, je préfère être encore au travail. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Je crois peut-être qu'on l'aime pas. Ah, ça me fait du mal, mais maintenant il sait très bien qu'on l'aime, sinon il serait plus là. Un mois plus tard, les choses ont enfin évolué entre Florian et sa famille. Bonjour, monsieur Mathieu. Comment allez-vous? Très bien. Ça va? Mieux. L'adolescent a finalement accepté de parler à ses parents. Il leur a confié qu'au collège, il était harcelé par ses camarades, victime de moqueries quotidiennes. Est-ce qu'à l'école, c'est toujours très compliqué? Est-ce que... Oh, c'est pas très compliqué, c'est chiant, mais c'est pas très compliqué. Alors c'est quoi, par exemple? Dis-moi voir un petit peu, Florian. C'est toujours pareil. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est des moqueries? Oui, c'est des moqueries. C'est pas grave. Et est-ce que ça se fait dans tous les cours? Est-ce que ça se fait Non, ça se fait de temps en temps. Et particulièrement où? En sport. Particulièrement en sport. Des fois, c'est en histoire géo, en physique, en... Pas en ZT. C'est tout. Je vois mal. Est-ce que tu penses que ce que tu vivais à l'école, c'est responsable de certains dérapages à la maison? Ouais. Pourquoi? Parce que je rentrais énervé. D'accord. Ça te fait encore souffrir beaucoup, là, même si c'est de temps à autre, ça te fait encore souffrir beaucoup? Un peu. D'accord. Même si c'est des moqueries, je rigole, mais bon. Et est-ce qu'il y a d'autres élèves dans la classe qui sont l'objet aussi de moqueries comme les tiennes? Non. T'es le seul? Ouais. Je les ignore, faut pas dramatiser. D'accord, mais le fait que tu les ignores, ça te fait quand même souffrir? Non. Ou t'arrives quand même à contrôler ça? Ça va. D'accord, donc là aujourd'hui, moi ce que je retiens, c'est que d'une, t'es capable de maîtriser, et de deux, tu es capable d'en parler. Le fait que tu sois capable d'en parler, Florian, ça va aider à éviter que ça aboutisse à des conflits dans la maison, etc. Par contre, il faut pas non plus... Et ça, je le dirai à ta maman. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'elle t'aide à dramatiser ça. Est-ce que j'ai raison ou pas, Florian? C'est chiant qu'elle en parle tout le temps, qu'elle ne stresse pas. D'accord. C'est la première fois que je t'entends prendre la précaution de dire que ta maman, il ne faut pas qu'elle stresse pour ça. C'est la première fois, Florian. Ça veut dire que tu te préoccupes un petit peu de ce qu'elle ressent. Ouais. D'accord.
Est-ce que tu penses que ta maman, elle aussi, a tenté d'améliorer certaines choses pour que la relation avec toi soit meilleure? Ouais. On y va, jeune homme. Florian traverse un moment difficile. Le conseiller éducatif explique à Sylvie qu'elle ne doit pas se focaliser sur ce nouveau problème. Il conseille aux parents de ne pas s'en mêler, mais de rester attentifs. Il y a quelques temps, c'était les devoirs. Les devoirs, on a réussi un petit peu à dépasser ça. Et aujourd'hui, on va poser cette histoire de harcèlement. Donc, on va tout de suite modifier le terme. On n'est pas dans des situations de harcèlement, on est dans des situations de moquerie. Difficiles, de moquerie. Desquelles Florian va devoir apprendre à se défendre. Ce qu'il ne veut surtout pas, c'est qu'on en arrive à dramatiser ça. Qu'est-ce que vous en pensez, tous les deux, monsieur et madame les parents? Il grandit, il va quand même sur 15 ans, il faut qu'il apprenne à se débrouiller. À se débrouiller. Mmh. Voilà. C'est pas les propos que votre mari avait depuis un certain temps? Si, mais bon, beaucoup de personnes me l'ont dit, mais bon, faut l'accepter, c'est tout. Je crois qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité de prendre des choses en main. Enfin, vous n'avez jamais, je vous ai jamais retiré cette capacité-là, mais je crois qu'aujourd'hui, le moment est venu pour moi pour commencer à préparer des interventions moins régulières. Moins régulières. Et on va y arriver. Et on va y arriver.